Et bonjour à tous, c'est Matt Vanneuf. Et donc on se retrouve sur du Construction Simulator. Donc comme j'avais dit la dernière fois, que je devais aller chercher les derniers éléments et puis les envoyer ici. Donc c'est bon. Maintenant, donc on va tout simplement les mettre à leur place. Et puis après, il faudra aller chercher donc les éléments d'en haut, les derniers éléments. Et après, ça sera bon. Il restera plus qu'à tout simplement voir ce qu'on. Bah après, comme c'est dit dans les descriptifs des étapes de la mission, il faut après aller parler au contremaître en dernier. Donc ça, on verra après. Mais là. Je pense que pour l'instant, là, ça va être déjà de finir de mettre les deux éléments du milieu. Là, il reste plus qu'un à mettre d'ailleurs. Hop. Allez, le dernier. Et puis après, il ne restera plus qu'à aller chercher donc les. Les. Donc les deux autres. Bah les quatre éléments d'en haut. C'est-à-dire les spots en eux-mêmes. Hop. Du coup. Je vais. Allez, envoyez ça. Donc du coup, il y a un nouveau DLC aussi que j'ai pris. Et dans celui-là, on a la possibilité d'avoir une foreuse pour faire du forage. Pourquoi pas, hein. Par contre, c'est là qu'il faut aller. Hop. Pouf. Voilà, donc là il faut les derniers. Donc je suis obligé d'envoyer celui-ci. Donc jusqu'à la scierie. Parce que forcément, pour charger les éléments, eh bien. Voilà, donc il vient de mettre la commande devant. Donc pour les charger, il faut une grue. Ou du moins un crochet. De niveau 3. Donc là, je déplie les vérins. Comme ça sera déjà fait. Ok. Donc je vais chercher. Non, pas le camion bête. Le camion surbaissé. Pour ce faire, déjà il faut remonter les vérins dessus. Ensuite, même s'il n'y a pas besoin, je le fais. Et puis on se met en vue intérieure. Et là, par contre, je suis obligé d'aller jusqu'à là-bas en roulant. Alors. On va jusqu'à la scierie. On charge donc. Ah bah non. Je vais enlever la remorque. Au pire, parce que j'en aurai plus besoin après. Donc ce que je vais faire en équipement, c'est que celle-ci, je la retourne. Ah, on va l'enlever. Hop. Et donc je vais l'enlever de mes véhicules. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc on va directement aller au bureau.
chercher la remorque sur BC, autrement dit le plateau. Alors il est où lui? Ah oui, il est là. Alors, est-ce que je suis doué ou pas? Hop. Ok. Du coup, on se dirige vers la Syrie. On prend donc les deux premiers, bah deux des quatre éléments. Et ensuite, on verra après. Pour aller à la Syrie, je suis obligé de venir de passer par là. C'est le plus rapide. Je vais un peu trop vite quand même. Donc on va à la Syrie. Allez, vas-y. Donc nous on tourne ici. Et on vient ici. Donc je me mets déjà dans le sens du départ. Donc je déplie pas les rampes, mais ça sert à rien. On va se mettre juste ici. Prêt à partir. Allez, c'est parti. Hop. Donc on prend l'incru mobile et puis donc on charge les quatre éléments, bah, deux éléments sur les quatre qui sont déjà prêts là. Est-ce que ce serait pas mieux de faire un... Je sais pas si je vais réussir à... Non, ça va être vraiment chiant à faire. Donc on les pose là. Et après, donc, je vais chercher un autre, et puis après, donc la grue, je la réinitialise là-bas, bah, sur le chantier, quoi, du moins. Et après, on va donc faire... Hop. Ok. Donc la grue, je la mets sur le chantier. Alors peu importe où. Le tout c'est de la mettre à un des quatre, à un des coins en fait. Donc on peut commencer par l'un
l'un ou l'autre côté, l'un un côté ou l'autre, c'est pareil, les deux sont à faire. On va le mettre là par exemple. Je déplie les vérins. Voilà. Je vais donc ici chercher mon camion surbaissé. Avant toute chose, on attache. Oh merde. Oh. Je sais pourquoi. Dans ce cas-là, tant pis. Je vais rouler comme ça, moi. Tranquille, hein, mollo. C'est vrai que ça dépasse un peu, mais bon, c'est pas grave. En fait, il faut les mettre au centre de la remorque. Parce que là, en fait, il y a le haut qui sort un peu de la remorque, donc du coup, ça ne veut pas s'attacher. Mais si on va tranquillement et qu'on fonce pas dans les voitures, il n'y aura pas de problème. Ça tient. On a plus de chances de les perdre en fait en faisant comme ça, mais tant pis. Hein. Du coup, on finit ça. J'essaye d'avancer au maximum aujourd'hui parce que faut savoir aussi que du 10 août au 22, je ne peux pas faire de vidéo parce que je ne serai pas à la maison. Je prends une petite semaine, enfin, un petit peu de temps pour me reposer. Ça me fera du bien. Et puis après, hop là, bon, c'est bien ce que je pensais. Stop. Oh, fais chier, tu vois. Bon, bah, le mieux c'est de l'entreprise, entrepôt. Entrepôt, entrepôt, entrepôt. Donc je vais à la boîte avec celui-là. Oh! Et vu que j'ai les grues à la maison, et ben je vais les charger à la maison. Et je pense que ce serait mieux de faire comme ça, tiens. Donc direction la maison. Allez, on y va. Donc du coup même pas besoin de réinitialiser la grue mobile. Il y a juste à prendre les grues qu'ils ont à la maison. À l'entreprise quoi du moins. Vu qu'on est à la grue, autant en profiter. Normalement elle a le bras long. Non, je vais passer par là, ça ira plus vite. Alors, est-ce qu'ils a mis. Est-ce que c'était réinitialisé? À la maison ou ici? J'espère à la maison. Pas à la maison. Au bureau, quoi. Ouais, ils sont bien. Allez, direction à la maison.
Avec tous les feux, mais on va être obligé de se mettre sur les fils les plus loin des qui sont pas au-dessus des panneaux. Parce que putain, mais il est con. Lui. Parce que sinon, ça passera pas. Bon, c'est où? Il en manque deux là. Bon, je vais déjà charger ceci. La grue. Hop. Ah, ce sera pas bon. Bon, alors le mieux, c'est que j'arrête ça tout de suite. Et je peux pas le faire avec la pelle? Ah non, il faut du 3. Non mais au contraire, elle est en quoi celle-là? Elle fait quoi? Ah ouais, c'est 2. Ah, on est obligé de... Merde, je suis obligé de réinitialiser l'autre là. Bah écoutez, on va faire autrement. Ça coûtera moins cher en plus. Il est où lui? Non! Celui-ci. À la maison. Tac. Et où sont les deux autres? C'est bizarre quand même. Allez. Bon, je vais me mettre là. Remarque, ça coûtera moins cher. Parce que quand on réinitialise au bureau, ça coûte moins cher, ça coûte rien. Et donc cette fois-ci... On les met au milieu de la... Bah, du chariot, parce que sinon ça sera pas bon. Donc au milieu, ça veut dire ici. Hop. Non.
Est-ce que ça dépasse ou pas? Ah, ça va être bon. Bon, je vais prendre le dernier, le deuxième là-bas. Par contre, les deux autres, je sais pas où ils sont. Bon, je prends ceci. Je les envoie là-bas. Ah zut. Déjà celui-là, je sais déjà qu'il va pas rentrer. Allez hop. Par contre, ceci, c'est de la construction. Alors ça va, je paye que l'aller. Non, je paye le retour de celui-ci ici. Donc ça va. Ça coûte moins cher que normalement. Par contre, les deux autres, je sais pas où ils sont. Hop. Stop. Allez. On déplie les vérins. Tac. Je vais chercher le camion. J'espère que c'est bon. Non, deux fois. Bah une bonne partie, ouais. Putain, c'est pas possible, quoi. Quelle merde.
Non. Ah, mais il y a une partie. Donc il y a les deux forcément à bouger. Allez, on essaye. Hop, on descend et on attache. Voilà. Bon, alors, du coup, celui-ci, on le fait. C'est de construction. Et on repart. Bon, alors, du coup, pour la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emmener. Je finirai pour la prochaine fois ce qui reste. Parce que. J'ai pris 3 heures pour ça, franchement. Ça a rien de rester dessus. Donc, pour la prochaine fois. Je finirai pour la prochaine fois. Quand je reviendrai de mon repos là. Hop, donc du coup je vais chercher le camion sur BC. Je pars en bas. Je vais rester en vue extérieure parce qu'à mon avis, ça va être chaud au niveau des feux. Non. Ça passe au niveau des pancartes. Oh, nickel. On va attendre que la circulation soit. Bah, que les autres passent là, et puis c'est bon. Alors, du coup, on va où? Donc on va sur le chantier. Tiens, je vais mettre troisième élément de projecteur. Donc ça c'est parti. Moi je vais tout droit. Oh! Au niveau des feux c'est chaud quand même. Si on peut aller par là. Allez, conduis mieux que ça, non? Mais là, je suis en train de perdre du temps. Donc du coup, ben, pour la prochaine fois, il faut que je finirai ce chantier-là. Là. Parce que bon, mettre des éléments en place, c'est pareil de mettre les troisièmes ou les quatrièmes, c'est pareil que de mettre seul, franchement, que de mettre n'importe lesquels. Du coup, pour la prochaine fois, donc je finis ça, je parle, donc je finis la mission, et puis on verra pour la prochaine fois qu'est-ce qu'on pourra faire. Donc, voir au niveau des véhicules, qu'est-ce qu'on pourra s'acheter. Puis voilà. Donc du coup, ben demain, on se retrouve pour du car mécanique, la suite de la carrière. Et puis il y a aussi, donc du coup, la fin. Ben, là, cette semaine, c'est la dernière semaine de vidéo avant que je parte. Vu que la semaine prochaine, je fais pas de vidéo. Bah, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. On aura par contre quand je reviendrai. C'est-à-dire après que je sois. Une fois que j'aurai fini quoi. Donc en attendant, on se dit du coup à demain pour du car mécanique.
Bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser des commentaires pour ceux qui veulent, ou bien mettre des pouces bleus hein, pour ceux qui ont envie aussi. Et donc, on se dit à demain pour du Car Mécanique Simulator 2015. Allez, ciao ciao et à demain!